This is the blast off, time to blow this up. So best you run for cover, we about to hit self-destruct. Got all my people with me, and none of us give a fuck. Et salut tout le monde, bienvenue sur un nouvel épisode de la ferme du Larzac. Aujourd'hui en compagnie de mes deux athlètes, donc Nicolas et Désiré. Comment ça va les gars? Ça va. Ça va, la forme ou quoi les gars? Ouais. Ouais, nickel. Ben écoutez, c'est le principal alors. Donc aujourd'hui, on se retrouve pas sur Belgique Profonde 2, on se retrouve sur, attendez parce que le nom ça dure, sur Ammergauen Alpen, donc une map qui était déjà sur le 2013 mais qui a été modifiée pour le 2015. Donc voilà, on s'est dit, on va leur présenter cette petite map parce qu'elle est plutôt sympathique, elle a pas mal de choses dessus. Et aussi, eh ben, parce qu'en fait, on avait commencé une carrière donc sur Belgique Profonde, mais en fait ce qui s'est passé c'est que la map elle nous plaît pas, enfin pour ma part elle me plaît pas, donc voilà, je n'arrive pas à jouer dessus, il y a plein de trucs qui me dérangent, donc voilà, on a décidé de ne pas continuer la carrière sur Belgique Profonde. Et donc du coup avant de recommencer une carrière, eh bien, on attend la sortie de la ferme Limousine, voilà, qui arrive prochainement, hein. Donc moi je l'ai déjà parce que je fais partie de l'équipe de Harry Seb là depuis pas très longtemps, donc je l'aide à tester tout ça comme vous avez pu le voir sur la page, donc elle va arriver bientôt pour tout le monde et à ce moment là eh bien on vous réserve quelques surprises pour cette map là, un joli petit concept là qu'on met à pied d'œuvre qui va vous plaire je pense. Voilà, c'était pour la petite ellipse et pour vous expliquer tout ça. Bon les gars, on est parti, on va se faire un petit tour de map ou quoi? Allez, c'est parti. Donc là on se retrouve au corps de ferme, on va aller faire un petit tour du corps de ferme quand même. Donc la map vue du ciel elle ressemble à ça, hein. Donc voilà, avec un joli petit décor quand même, avec des jolies petites montagnes, tout ça là. Il y a deux forêts aussi, j'ai vu, mais bon, nous, vous savez que la forêt, on s'en occupe pas. Un petit village. Et donc, le ferme. Enfin, comment dire. Le corps de ferme, plutôt, il ressemble à ça. Voilà. Mais les gars, vous êtes tout petits d'en bas. Coucou! Coucou! Vous êtes tout petits, je vous vois pas. qu'est-ce qu'on a de nouveau mode? Eh bien, on a ce petit 926, là. Alors qu'est-ce que t'en penses, Nico? Tiens, dis-nous tout. Oh, ça va, il tire. Il tire, hein? Après, qu'est-ce que tu as dit d'autre, hein? Niveau modding, niveau la texture. Carrière, il est bien. Ouais. Bah, il glisse beaucoup. Il glisse? Ah. Il glisse beaucoup, avec une benne. Ah. Bon, petit défaut là-dessus, alors. Et après, le reste, ça va, alors. Ouais, mais moi aussi, sinon, écoute, je trouve sympa. Nickel. Ouais, moi je trouve sympa aussi ce petit fan là, il a de la gueule. J'aime bien les petits vieux fans comme ça là. Ouais. Puis tu sais que t'en vois plus beaucoup en plus, hein. Ouais, il y en a plus beaucoup. Non, ouais. Oh, il a vraiment plus beaucoup, hein. C'est hallucinant. Hein. Et on a ce petit Newland aussi là, T7550 de 220 chevaux, 225 je crois. Donc qui est plutôt pas mal aussi, j'ai trouvé ça. Tout à l'heure avec le volant qui se baisse quand on rentre à l'intérieur, l'intérieur est très très correct, vraiment bien, j'aime bien, donc on va aller essayer tout ça. On a ici un épandeur à chopanien de Frabel que tout le monde connaît, et hop, on a celui-ci aussi là, petit épandeur Amazon qui est dans la map. Voilà, celui-là il est compris avec la map. Quand vous téléchargez la map, il est compris avec. Donc la map sera dans la description, bien sûr. Comme d'hab. Allez, bon, on est parti. Que Désiré, là, il est en train de bouillanter, je vois. Donc on va commencer par aller voir, je pense, tiens, du côté du. Oh, il fait un joli bruit quand tu freines le tracteur. Donc on va aller faire un petit tour du cochon et des cochons et des veaux.
Ça, c'est de la montée, ça. Alors, ça, oui. Ah, ça monte, hein. Je vois que t'es en mode galère. Ouais, ça va, il monte pas Non, trop c'est mal. bon. 25, je suis monté. Genre, accélère, il part, hein. Moi, je suis obligé de freiner à cause de vous deux, sinon, je vais monter largement. Hop. Donc, ici, je pense qu'on est soit au cochon, soit au veau. On va aller voir ça tout de suite. On va aller acheter des animaux pour voir ça. Hop. On va prendre. T'as quelques vaches. Voilà. Pour faire un manière pour commencer, on verra tout ça en détail plus tard. Quelques moutons, quelques poules, quelques cochons, voilà. Quelques veaux. Ici, on est au cochon. Les cochons. Et quelques poulets, voilà. Voilà, c'est une petite truc que j'ai vu tout à l'heure avec les poulets. Donc j'ai lu la description de la map que j'ai téléchargée qu'on pouvait les vendre au KFC. Donc on ira voir ça plus en détail la prochaine fois. Désiré aura de faire le con. Pardon, excusez-moi. Du Je ne gros fais pas mot. le con. Ouais, allez, sors de là avec ton tracteur là. Mais voilà, ici c'est les cochons. Voilà, ben, ils sont là, les petits cochons. Coucou les cochons. Ben, ils se roulent par terre. Voilà, ils adorent ça, les cochons sur Farming, se rouler par terre. Donc voilà, une jolie petite étable, une jolie petite porcherie comme on dirait. Donc sympathique. Donc ici pour mettre l'eau. Ici la fosse salisier. Ici pour le fumier. Donc le fumier c'est pas, on peut pas, c'est pas à vous de le curer. C'est fort dommage. Ici pour mettre le maïs et ici pour mettre les patates. Et ici un petit hangar. Donc franchement, pour ceux qui la connaissaient du 2013 comme moi, je peux vous dire qu'ils ont tout changé dessus. Hein. Elle était pas du tout comme ça, hein, sur le 2013. Attention, je passe. Wow! Laissez-moi passer. Allez, c'est parti. On continue la visite. Par contre, tu sais que je les ai pas trouvés les poulets encore. Il faudrait voir où c'est qu'ils sont ces couillons de poulet là. On va aller égorger du poulet pour les vendre au KFC. Oh, il y a le train qui passe. On mettra des zéros au déplumage. Hop, là, on monte à gauche. Oh, si t'as une plumeuse, ça va aller vite. Ça tue cette machine. Fais gaffe, y a un train qui arrive, je crois. Oula, là, il a du mal à monter par Ça contre. Hein. monte là. Ah là ça monte. Hein. Là ça monte là. Oh, j'ai mis le différentiel. On va Hein. mettre le pont. Ah moi aussi j'ai mis le pour moi. Tiens. Ah, lui il me fait le cul. Là. Alors ici c'est Moi pour j'ai rien vendre fait. la laine des brebis. Hop, on recule. Attends, je Ou vais attends, non, reculer. non, attendez, non, c'est pas pour la laine des brebis. C'est la porcherie, pardon. C'est pour vendre les veaux et tout ça. Excusez-moi. C'est l'abattoir. L'abattoir, pardon. Et lui, une telle cul, normal. Ah, mais il y a un chaleur désir à ce moment. Je sais pas ce qu'il a. Mais c'est pas de ma faute, j'avais la souris vers l'arrière et tu freines. Donc j'étais rentré dedans. Si vous jouez en solo aussi, faites attention au trafic. Les voitures arrivent un peu n'importe où, n'importe comment. Ouais, ça Ici, les donc fait mal. on a les veaux. Voilà, ici. Donc le bâtiment, c'est le même. Même principe. Voilà, jusque c'est des veaux. Donc avant, c'était pas ici. Hein. Avant, on retrouvait sur le 2013, les cochons étaient au corps de ferme là où il y a les vaches. Et les veaux étaient beaucoup plus écartés, un peu plus loin. Ici, ben, on a une petite concession. On a le calque derrière ou de l'engrais, je sais pas. On a le parc à moutons. Qui est ici, voilà, tac. Ce que je trouve sympa, c'est qu'il y a de la place pour mettre de la laine, là, il y a de quoi faire. Franchement, il n'y a rien à dire. Avant de remplir tout ça, les gars, franchement, je vous dis, je sais pas si vous avez vu, mais Non, toi, j'arrive pas. il y a de quoi faire. Hein. Pour C'est entrer, là, ici, regarde toutes les palettes pour remplir les Ah palettes. ouais. T'as vu ça? Ah, là, ça rigole pas, là. Là, ça rigole pas, là. Tu peux en Y'en a un envoyer. qui est en... Ah non, il est en vert.
Le gars, il est en rouge. Un mouton noir, coucou mouton noir. Il est où ton mouton noir? Il est là. Oh, plus loin là-bas. Ouais, il est juste là. Bon, on retrouve pour l'instant on retrouve la texture d'herbe d'origine hein, mais bon je préfère celle-là déjà à une certaine map. Allez, on y va, on repart. Donc par ici vous redescendez vers en bas, nous on va aller vers là. Hop. J'avais déjà fait un petit tour rapide de la map déjà. Ici c'est pour aller dans une forêt, voilà, où il y a un champ. Ici, voilà, là, pour entrer dans une forêt. Les branches. Ici, on a une station à gasoil. Il y a le KFC, on va le visiter. Hey, il y a le KFC, venez les gars, on va faire un petit KFC, allez, venez, c'est parti, on y va en tracteur, on est des fous, nous. On passe au drive en tracteur. Oh, tout a explosé, allez, c'est parti, broum broum. Oh, chef, il n'y a pas de mag, il n'y a pas de drive, comment on fait? Allez les gars, venez. Bon, on doit s'arrêter C'est au pas milieu du grave, on se prend parking. 3 places. Allez les Allez, gars, on va venez. visiter. Tournez, tournez le poulet général, les gars, venez. Allez, venez. Oh, on peut rentrer en plus, excellent. Allez les gars, venez. Oh, regardez, faites-nous de la place là. Allez, Désiré, tu prends quoi? Moi, je vais voir le menu. Allez, venez, on va voir les menus, il y a quoi? Ah, mais il y a que du KFC. Avec du poulet ici, Y a go. du poulet. Ah non, il y a des hamburgers là. Ce bordel. L'hamburger, C'est c'est bon, il y a en des haut. frites. Ouais, je veux des frites et du poulet. Et on paye rien parce que c'est nous les fournisseurs spéciaux. Les fils avec sa bouche là, hein. Eh monsieur, me parlez pas comme ça. T'es toi, allez, dépêche-toi. Ouais. Ouais, des jolies petites tables. Oh, ils sont riches ici, oh, ils mettent des tables en marbre. Oh, regarde ça, dit. Oh, c'est un KFC de Oh, Bourges. C'est un KFC de Bourges, ils c'est mettent. pas du mot ici. Ah ouais? C'est Oh, des On va plus jumeaux! le plein. Oh, des jumeaux! Oh! Hey! Ici, Que c'est deux jumeaux. des jumeaux! Hey! Puis des jumeaux, c'est des quadruplés là. Hey, c'est une rencontre de jumeaux! Ah, les gars, venez, c'est une rencontre de jumeaux! Laisse Lui, il est tout tomber! seul, je vais m'asseoir avec lui. Ah, il a pas d'amis! Il a pas d'amis, Désiré! Ben, Lui, vas-y! il prend un curly. Mais voilà, Désiré, tu t'es trouvé un nouveau copain, il a pas d'amis lui aussi! Voilà! Tu te sentiras moins seul maintenant. Nico, il y a quelqu'un en face pour toi. Allez, va, venez les Et une gars. fille. On a fini de faire les imbéciles, on repartons sur notre visite là. Allez, c'est parti. Là là, qu'est-ce qu'on peut être fou des fois. Wow. Donc à votre droite, une concession. Oh, pardon, excusez-moi. Une concession coopérative, pardon. Hop, et là, à mon avis, ici, pour acheter des graines. Ici, c'est pour vendre patates, je pense. Attendez, on va aller voir ça de plus près. Non, non, c'est les... Comment ça s'appelle ça? Les betteraves, non? Nathan. Les betteraves, ouais. Betteraves, C'est ouais. des betteraves, ouais. Ici, c'est pour vendre. Ben, surprise, on vous dira après. Et donc, ici, voilà, pour vendre les principales graines. Hein. Hop là. Faites des gaffes, les gars, c'est juste là. Oula, je sais même pas si je vais arriver à tourner. Si, c'est bon. Donc, voilà. Hein. Ouais, même je ne sais pas là. Oula, ça se serre ici. C'est bon, ça passe. Donc on verra après pour ça. Hop. Repartons à l'aventure. Alors, qu'est-ce qu'on a à droite? On n'a rien. Hop là, on a quelque chose par ici. Qu'est-ce que c'est? Allons voir. Ah, je crois que c'est l'usine à calque ici. Allons voir. Alors pour venir prendre le calque, c'est ici. Donc il faut venir ici. Il vous faut venir là-dessous. Normalement, on peut y aller à deux tracteurs. Donc Nico remplit ton Amazon pour voir s'il marche. Moi, c'est nickel. C'est bon, ça prend. T'apprends toi, Nico? Nickel.
Ouais, ça prend. Moi, je vais bosser, sinon j'aurais plus la mienne. Ouais. Ah oui, Désiré passe pas. Hein. Parce que la benne prend le calque. Hein. Elle prend l'engrais, cette benne là, qu'a Nico. Non, Désiré. Désiré, pardon, ouais. Excuse-moi, Désiré, excuse-moi. Arrive. Ne m'en veux pas. S'il te plaît. Hop. T'inquiète, c'était calculé. Ouais, Désiré, le roi de la cascade. Oui, il casse plus avec lui, tu sais. Oh, ça va, les barrières se lèvent bien. Ouais, c'est clair. C'est à peu près ça. Bon, dépêchez-vous avant que le train y passe. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh mince, je suis descendu du tracteur sans faire exprès. Ici, c'est la Syrie. Voilà, la Syrie ici. Nous, on s'en fiche. Hein. Palam, palam, toujours la Syrie. Oula, je vais dans les arbres. Oula, 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 j'ai bu. Oula, oula. Oh, le coca du KFC m'a fait mal. Hein. Ah, j'en prends plus. Hein. Ils ont dû mettre plus de whisky que de coca. Ah, j'aime pas le whisky. Eh ben, il en manque pas de s'asseoir essence ici. Hein. Tourne à droite, à gauche. Là, y a rien à gauche. Si, normalement, y a un chemin quelque part. Ah ouais, ici, exact. Ah ouais. Pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Bien vu, Désiré. Reculez, les gars, allez. C'est bon, tout le monde est reculé. C'est bon, ça va passer. Allez. Et bon, ça passe. Donc là, on se dirige vers une carrière. Et donc, c'est une carrière à sable. Voilà, c'est pour prendre du sable. Donc, pour le vendre, on ira vous le montrer après. Voilà. Oh, Désiré, tu te trompes de sens là. Il y a un sens de circulation, Désiré. C'est pas vrai. Si. Donc, voilà le sable. Donc vous venez en dessous. Par contre la texture quand il tombe... Ouais c'est pas la même. Hein. Si c'est du salaud de mer. Ouais. Ouais je confirme. Donc voilà, venez ici. En face ça va commencer à tirer. Voilà la petite carrière. Petite carrière à sable. Imagine du sable comment c'est lourd. Ah ouais le sable ouais. T'as combien de tonnes là? Je dois le savoir, Greg. Ouf! Ouf! Ah oui, d'accord. Ça fait un coup de 60 tonnes, ça, non? Ah oh oui. Pas tant, mais. C'est à peu près ça, non? Non. Oh. 40 millilitres, ça te fait 40 tonnes à peu près. Grosso modo. C'est plus lourd que du grain, ça. Oui. Bon, ça pèse quand même. Ouais, donc 45, les os là. Ça tourne. Allez, c'est parti, on repère. Ici, on a une boutique agricole où on peut vendre aussi des patates, tout ça. Des graines, tout ça, vous voyez. Ici, on a une composterie. Voilà. Pour ceux qui voulaient une composterie, il y en a une ici. Voilà. Donc, celle-là, moi, je ne l'ai pas essayé parce que moi, j'ai essayé celle de la ferme limousine. Voilà, tout simplement. Mais. Elle voilà. Marche pas. Pourquoi elle marche pas? Elle marque 26 tonnes à charge. De quoi la balance? Ouais, alors que j'ai 40 ouais. Dans la remorque. Moi je me suis coincé dans la composterie. La bascule c'est mieux. Tu l'es vite toi? Bah ici t'as des silos. Hein. T'as vu comment j'ai fait?
Donc voilà la petite composte, oui, avec une petite rampe pour charger. Je sais pas C'est bien pour si s'il a mis le mode pour si vous l'avez, il est là, c'est celui-là. Voilà. Celui-là, c'est voilà. Ouais, il y est, ouais. Allez, marche arrière, on sort de la composterie. Ah, bouge pas, je vais reculer. Il y aurait quoi à voir encore? La bioénergie, alors ça, je sais pas ce que c'est. Il y a l'endroit pour vendre le lait. La laine aussi, c'est à côté. Ah, bouge pas, je vais reculer, désiré. Bon, après encore, ça, c'est des trucs peut-être que vous pourrez découvrir vous-même. La bioénergie, je sais pas ce que c'est par contre, un peu, mais je sais pas que, du tout comment ça fonctionne même, tiens. Alors ça, je peux pas. Ça serait bien de découvrir pour le prochain épisode, tu vois, d'ailleurs, les gars. De voir à Ouais. quoi, un peu à quoi ça sert ce truc là. Attention. Oh merde, je me trompe. Allez, c'est parti. Bon, comment on y va, cette bioénergie là? Il doit bien y avoir un chemin quelque part. Ah, ici. Il y a la bijoque, il faudrait monter aussi. Ouais, on va y aller après. Bon, y a... Ah si, il y a un chemin, j'allais dire, il n'y a pas de chemin là. Si, il y a des chemins partout là. Regarde. Là, c'est pour vendre la laine. Ici. Voilà. Je sais pas où on va, les gars, mais on y va, hein. Il n'y a plus de chemin là-bas. Ouais. On va faire un peu de 4x4. Bon, désolé, on coupe un peu, on connaît pas trop la map encore. Wouhou, j'ai fait un saut! Oh, ce saut que j'ai fait! Oh, désiré, toi aussi! Excellent! Attends, il y a la bioénergie quelque part là-bas. Ah, c'est là-bas! Wow! Désiré, doucement, désiré. Calme-toi, désiré. Désiré, chut, doucement, doucement. Le moment de folie est terminé. Ah, ben voici, il y avait un chemin. Comment on y Je rentre? me suis fait niquer. Bah ouais, voilà, fallait suivre le chemin, ouais. Ah, bon, bah, c'est fait avoir comme des imbéciles, tous les Mais trois. pousse, Désiré, oh! Ouais, Désiré, il abîme le matériel, hein. Ah non, il est là, le chemin. Oh là là, il faut Mais prendre c'est quoi, là-bas. putain? C'est ça, le chemin? Bah ouais, c'est ça pour rentrer au T'es bioénergie. sérieux, là? Ah, c'est pas gagné, hein. Oh là Voilà, là! je te l'avais dit. Qu'est-ce que c'est ce chemin là? C'est quoi ce truc? T'es sûr c'est ça? Mais ouais, c'est ça. Bon, qu'est-ce que tu fais, Nico? Tu es content d'aller désirer ou quoi? Rentrer là? T'es regarde. Oh, moi aussi je me suis planté! Alors, il Oh. faut que je t'aide pour rentrer, hein. C'est sérieux, les gars? Ouais, tais-toi, toi. Pas Pas notice. de commentaires, hein. C'est pas ma faute en plus, c'est Désiré, il m'a Non, mais poussé. tu vas. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Mais tu vends quoi là-dedans? T'es Et rentré je sais comment? pas à quoi ça sert. T'as vu, il y a des panneaux solaires. Hein. Bah, tu vends des choses. Ah ouais? Tu vends de la paille, de l'herbe et du fumier. C'est vrai? Ouais, Attends, j'arrive. viens voir où je suis. Mais j'arrive, attends. 2 secondes. Ah ouais? Et ça fait de la bioénergie après. Ah, mais écoute, on testera ça dans le prochain épisode. On va faire du fumier, de la paille et de l'herbe, et on viendra tester tout ça, les amis. Voilà. Prochain objectif. Allez. Bon, mais écoute, maintenant il faut sortir de là-dedans. Ça va pas être la même chose. J'en sais rien. C'est dos. Oh là, mais en plus, c'est le même chemin pour sortir. Hein. Ah, les panneaux solaires qu'il y a ici.
Oh, ça passe. Donc voilà, ben ce qu'on va faire, moi je pense on va commencer, attends, j'ai déjà rattrapé le chemin, on va commencer avec un peu d'ensilage, parce que j'ai vu qu'il y avait un champ de maïs pour commencer. Greg, mets-toi à la bosse et bouge-toi, j'arrive. Et puis... Et puis voilà, on verra par la suite, tac, donc on se retrouve pour les ensilages. Et re les amis, donc on est parti pour les ensilages avec des petites bennes fort sympathiques qu'on a trouvées, donc des randazo Domec 700. Le lien sera dans la description de la vidéo. Et oui, comme d'hab, nous on partage les liens avec notre avec grand plaisir. Oula, attendez 2 secondes, je vais faire ça. Ah mais c'est bon, on le fera arriver au champ comme ça. Hop, j'ai oublié de remettre mon volant normal. Ça fait pas beau là. Allez, c'est parti, let's go. Les gars, vous êtes déjà au champ, vous? Ouais, on est parti là. Non, vous avez pas perdu de temps. Hein. Donc là, c'est un tout nouveau massé qu'on a. Donc le John Deere 7290. Que je trouve vraiment superbe. C'est pour moi. C'est un petit coup de cœur, ce petit John Deere. Ouais, tu as merdé là. Hop là. Oula, combien, là, 10. 10. Ouais. Attendez-moi les 10. Copains, j'arrive les copains. Attendez-moi. Wow. Donc dans le pack vous en avez 3 bennes, ah, voilà. Donc une aux couleurs John Deere, une aux couleurs Caz et l'autre c'est quelle couleur Fend, c'est ça ouais. Non. Ouais, ouais c'est ça. Fend. Voilà. Ouais, si, c'est ça. Donc vous voyez le tracteur il a un super mode de relevage comme vous pouvez voir, regardez quand on est sur une petite bosse. Par contre ouais il bouge beaucoup tout seul, c'est le petit inconvénient, mais bon franchement regardez-moi ce train avant. Comme il est super bien articulé quoi, c'est vraiment magnifique quoi. Regardez, hop, on va le remettre sur le chemin. Vous voyez, il est super bien truffé ça. Alors après, qu'est-ce qu'on a de plus? Alors, par contre pour ça, c'est assez chiant parce qu'on doit enlever la benne. Je sais même pas si je vais pas être obligé d'enlever la masse. On va voir, on va tester. Attends. Mais ça. Nico, top, top. Parce que je suis en train de montrer un truc là. Alors attends, je vais remettre comme ça. Voilà. C'est bon, c'est nickel. Donc après, on a ici la petite console. On l'allume. On attend que l'ordinateur y charge. Voilà. Donc ici, donc on clique là. Voilà, vous avez vu, il y a là le tracteur avec la remorque. Donc ça vous dit en fait, ça, là, à mesure que vous remplissez votre remorque, en fait, eh bien, ça va se remplir. Vous allez voir en vidéo. Ici, vous avez un petit retour en arrière. Vous mettez ici, vous activez tous les phares des tracteurs ainsi que les gyrophares. Donc, moi, je le fais pas là parce qu'on est sur serveur, donc ça va faire bugger les autres. Mais en solo, vous pouvez y aller, vous pouvez tester, ça marche. Donc, nous, on va se remettre, hop, on se trompait. Sur ça, voilà, vous allez voir, c'est super génial, ça marche super bien. Et pour mettre donc lisser sur tracteur, c'est cette ARL de droite. Donc on ouvre les portes ici, voilà, rien de sorcier, lunettes arrière, et je crois qu'il y a le toit aussi, si je me trompe pas, non, il n'y a pas le toit, voilà. Donc il est super bien modé après, franchement, il y a rien à dire. Bon, Désiré, j'arrive. Ah ouais c'est vrai c'est Nico qui a l'ensilage. Bon Nico j'arrive. C'est moi je t'attends. Ah j'arrive, attends je vais montrer un beau tracteur. Allez c'est bon. J'arrive.
On a le mode fuel aussi. Alors ça c'est un bon un petit mode sympa aussi, ça vous dit la consommation du tracteur. C'est plutôt pas mal. Je vais l'enlever. Hop. Je suis là mon petit, tu peux y aller. Donc on a pris la crône du jeu en ensileuse. Basique. Voilà. Hop, attends Nico, je recule. Vas-y, tu peux y aller ma poule. On va détourer un tour. Ouais. Ouf, d'accord. Franchement, le trait avant de ce tracteur, enfin, le pot avant, il est super bien articulé à ce tracteur, quoi. C'est vraiment hallucinant, quoi. Vas-y, Nico, je peux y aller. Hein. Oh. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, je trouve qu'il est vraiment super bien articulé, le pont, quoi. C'est un truc de malade, regarde ça, quoi. Il est un moindre détail, c'est impressionnant, quoi. C'est un truc de fou. Donc, on peut avoir... sur mon ordinateur à droite que la benne elle, vous voyez comme ça commence à se remplir là en vert, vous allez voir de plus en plus ça va se remplir. Donc les rétros bon, ils sont pas très bien réglés, ça c'est fort dommage. Vous avez un mode après pour ça, mais bon moi je l'aime pas trop ce mode parce que ça bouge que la vitre, je trouve pas ça très cool. Recule. Ouais attends. Oh. Ah. J'ai eu un souci technique. Il voulait pas prendre la marche avant. Allez, vas-y, mon poule. Oh. Vous avez vu comment elle se remplit mesure en mesure à la benne là sur l'ordinateur, c'est vraiment bien fait. Ça se passe Nico? Ouais. Bien. Il y a le mode labour le tracteur. Eh ouais. Mais t'as vu comme il est super bien articulé le pont avant? Ouais. Franchement tu. Bien, mais... Tu regarderas dans la vidéo Nico, tu vas halluciner. Hein. C'est un truc de ouf. Je hein. Regarde là. Dans d'aller droit. Même l'arrière, la cabine suspendue et tout, c'est un truc de ouf. Hein. Regardez de plus près. Ouais. Regardez ça. C'est impressionnant comme il est trop bien articulé quoi. Il est balèze le champ, hein? Ouais, si on veut. Avec la coupe qu'on a, dans... on va pas mettre longtemps pour le secouer. Hein. Non. Elles sont jolies ces petites bennes quand même. Moi je devrais. Je trouve qu'en deux essieux elles seraient plus jolies encore. Ouais. Par contre, elles, franchement, elles se remplissent trop bien. Ça fait un super joli tas au-dessus là. Hein. C'est bien fait, hein? T'as vu? Être plein là non? Attends je vais te dire. Ouais je suis plein ouais. Je suis plein là. Ça fait même un moment que tu dois être plein parce que moi j'avais fait qu'un aller, j'étais plein. Non. C'est pas grave. Ouais en même temps on parlait, on montrait le tracteur et tout. Bon ouais, c'est pas grave, allez putain. On va pas réfléchir deux jours là-dessus. Oh si, allez, roule. Ouais, carrément. Alors la BGA c'est par là. C'est par là. La BGA, toi? Bah oui. Ah moi je l'ai mis à la ferme les gars. Ouais attends, je me suis trompé là. Ouais je vais à la BGA. Ah. Bon elle a pas montré en plus la BGA. Again. Ouais, moi j'ai été le mettre à la ferme. Ah y'en a un qui veulent mettre à la ferme, mettre à la BGA, c'est pas grave. Donc la BGA c'est ici, hop là.
Vous allez voir, elle est énormissime là déjà. L'entrée est jolie pour y aller. Mais l'ouvrier, Nico. Comme vous pouvez le voir, des silos, il en manque pas. Hein. Voilà, hein. Il y en a perte la rigo des silos. Un broyeur à paille qu'on peut voir ici avec les flammes là. Voilà. Attends Nico. Deux minutes. Et donc voilà, des silos énormes ici, hein. Comme vous pouvez le voir, franchement, ils sont vraiment énormes. Là-bas, donc vous montez ici en bas pour remplir avec le chargeur pour faire du biogaz. Et la cuve est juste là. Voilà. C'est l'ouvrier là ? Ouais. Là, je le surveille. Non, il va droit, c'est bon. Tu peux descendre. Allez, on baigne tout ça. Il va pas droit, tu me le dis. Ouais. Donc voilà, une jolie petite map, moi je trouve. Que vous en pensez alors, vous les gars, maintenant qu'on a fait un petit peu le tour là? Vos avis? Oh, elle est belle. Ouais, elle est bien, ça va. Ouais, elle est sympathique, non? Il y a mieux. Ouais, c'est sûr qu'il y a mieux, mais elle est bien, franchement. Enfin, moi, comparé à Belgique profonde, je préfère celle-là. Hein. En texture, en décor, tout ça, quoi. Je préfère celle-là, personnellement. Oh. Oh, comme elle est trop bien, elle met trop de temps à se baisser la bande, c'est trop bien fait. Elle met du temps à se vider aussi, t'as pas vu? Ouais. C'est trop bien fait ça. Bon allez hop. Revenir, en fait, Greg. Aujourd'hui on coupe. Attends. Ouais, c'est pas grave, on attendra. Mais écoutez. Sur ce les amis, on espère que cette petite visite guidée vous aura plu. Et puis on vous dit à la prochaine les amis. Allez, à bientôt, toi, ciao.